Pierre Hébervin, Altesse du Banais, s'est une fois de plus très bien comporté en dernier lieu. Oui, encore une fois, on ne peut rien lui reprocher, la jument. Voilà, elle fait toutes ses courses, jument super pratique, comme on a pu le voir à plusieurs reprises. Une vraie jument de course super sympa, il faut cacher un peu l'effort, mais elle s'adapte à tout. Avec cette petite allocation, elle se retrouve idéalement placée au plafond des gars. C'est vrai que l'engagement est super favorable. On a attendu cette course-là, voilà, j'espère qu'on a fait du boulot correct. Maintenant, elle a une chance, elle a une chance, tout simplement. Qu'est-ce qui lui manque pour trouver son jour? Elle le mériterait vraiment? Après, peut-être un petit peu de chance ou... Il manque pas grand-chose, on a gagné à Cabourg, la jument, il faut juste un parcours vraiment favorable, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire. Non, mais on peut pas la négliger. Ouais, quand on est à 460 euros du plafond des gars, on met tout de son côté. Sans doute des œillères, des bouches d'oreilles, tout ce qu'il faut. Comme d'habitude. Elle va être mise de la même façon que les autres fois, donc je ne vais rien changer. On n'est pas dans une période de très grande forme, donc on ne va pas essayer d'inventer multiples choses. Mais bon, difficile de la voir sortir des 5, Pierrot. Ouais. On serait déçu de ne pas être dans les 5 maintenant, premier jusqu'au 5e, après ça va dépendre un peu des adversaires, mais logiquement on devrait être dans le quintet.